En cherchant l'école où ma fille serait pleinement heureuse, où elle pourrait se construire à son rythme, j'ai découvert la proposition pédagogique. C'est de là qu'est né mon désir de réaliser ce film. Cette pédagogie nous invite à respecter et soutenir les dons naturels, l'enthousiasme et la personnalité de chaque enfant. Avoir une confiance absolue en l'enfant et savoir l'observer, c'est par là que tout commence. Mon méthode consiste surtout en la possibilité de vivre naturellement et de quitter sa spontanéité. Alors, je prépare un milieu où ils puissent vivre dans une maison. Les enfants ont leurs meubles, leurs petites choses pour la cuisine, pour la table, etc. Alors, ils commencent à aimer ce milieu comme une maison à eux-mêmes. Et ils deviennent très actifs. Et dans cette activité, ils s'ordonnent et deviennent disciplinés et heureux. C'est ta maison aussi. À moi. Tu n'as vraiment pas tout. Qui, de l'enfant ou de l'adulte, doit surmonter sa peur? C'est en observant l'enfant, en connaissant ses capacités, que l'éducateur saura à quel moment proposer une activité. Discipline spontanée, le sentiment social merveilleux qui venait d'eux. Tout cela nous a fait comprendre une chose, devait y avoir quelque chose qui devait être aidé.